Ah oui. Le nom du président Maurice Kamto te fait un peu rester tranquille. Il a tout le Cameroun. OTS, Maurice Kamto. On manque de route. Maurice Kamto. On a de l'estache. Maurice Kamto. Tu fais un grand femme. Chacun va lire. La pénurie de carburant. Encore, même chose. Vous allez confirmer. Un pays qui a tout, non manque de tout. On n'a pas de route. Ah oui. Au profit d'une seule personne. Non, est-ce que lui a un problème? Quand il est malade, il va se faire soigner en Suisse. C'est devant vous qui célèbre ses anniversaires. Si ce n'est pas ses anniversaires, 41 ans au pouvoir comme l'autre jour, c'est son anniversaire. Si ce n'est pas ses anniversaires, c'est l'anniversaire de sa femme. C'est devant vous qu'on lui montre que non, 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 vous allez faire quoi? Crier, ça fait quoi qui? Ils ont le carburant stocké là-bas. Mais oui. Un pays qui a tout, qui manque de tout. On a tout. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Mais on porte, on amène sur un secours. Avant de venir nous vendre encore cher. Les Camerounais, ça fait des années, plus de 10 ans. Le Cameroun ne connaît pas ce qu'il veut dire. Bonne fontaine. Mais oui, mais les années, c'est Dieu qui nous sauve. On se bat avec les forages. Voilà. Tu ne connais pas ce qu'est une nappe de sol, l'eau la sort. Non, chacun va lire. Est-ce que la pénurie de carburant là, le manque d'eau là, le manque de route là, est-ce que ça connaît l'ethnie? Non, ça ne connaît pas un parti politique. C'est dans ça que nous tous on roule. Voilà. C'est maintenant si là que ton enfant ou ta mère, ta femme ou ton mari, un membre de ta famille tombe malade, tu as même l'argent pour l'amener à l'hôpital. Il y a le carburant. Le petit carburant qu'il y a dans les pompes là, ne tentez même pas de passer à côté. C'est déjà réservé par les durs. Et puis quand le commissaire va manquer le carburant, merde, le commandant, le sous-préfet, là c'est dans les petites villes. Hein. Là c'est dans les petites villes. Mais dans les grandes villes alors, n'en parlons même plus. Les gars ont les stations. Les gars ont les stations dans les bureaux. Mais oui. Les gouverneurs, tout ça, les préfets. Non, les gars ont les stations. Et tout dit, alors, n'en parlons même plus. Là-bas, c'est... Ils ont tout l'arsenal. Ah oui. Chacun va lire. Oh, Maurice, quand tu veux déstabiliser au Cameroun. Criez. Qu'on ne se lève pas. Pour notre avenir. Je veux voir mes enfants grandir. On va tous mourir avec nos enfants. Si on ne veut pas se battre pour que nos enfants aient un avenir meilleur. Ah oui. Je veux voir mes enfants grandir. Il est mieux de mourir pour une cause que de mourir une job. Ah oui, oui. Il est mieux. Tu meurs en trouvant la solution que tes enfants soient libres. Sinon, tes enfants vont vivre la même souffrance que toi tu as vécu. Même tes petits-enfants. Parce que les mêmes sont là. Ils sont prêts à continuer ce que les parents sont en train de nous faire là. C'est comme ça. Déjà, ils sont ministres, les enfants sont sous-préfets. D'autres, les enfants sont DG. D'autres, les enfants sont déjà dans l'armée, capitaine, colonel. Chacun va lire. La pénurie de carburant, ça connaît la tribu. On ne connaît pas la tribu. On s'exhibe devant vous chaque jour. On célèbre les anniversaires. On acclame. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Vieillir n'est pas une fatalité. C'est une bonne chose de vieillir. Mais il ne faut pas occuper la place des autres. Laisser la place à la jeunesse. Alors, on n'envoie pas ses amis à la retraite. Vous voulez quoi? Le jeune va travailler comment? Le jeune va trouver le travail comment? Dans un pays où les gens ne vont pas en retraite. C'est le système qui a été mis sur pied. Tous les gouverneurs ont l'âge de la retraite. Tous les délégués régionaux, la majorité ont l'âge de la retraite. Mais ils sont là. Tu te plains? Non! Donc comment on peut vous employer? Mais le problème c'est que les gens ne vont pas en retraite. Il faut que les gens vont en retraite pour qu'il y ait les places, pour qu'on lance les concours, pour qu'on recrute beaucoup de personnes. Voilà pourquoi qu'on lance les concours. Voilà, d'abord on nous vole. C'est une grande arnaque. On lance les concours, 50 000 personnes vont postuler. Par la suite, on prend 20 personnes. Et les 20 personnes là, non, 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 c'est déjà copté depuis. C'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. Chacun va lire. Oui, chacun va lire. Restons là. Qu'on se lève pas. On a réduit les enfants braves du Cameroun
en Benskineur. Ah oui. Quand il n'y a pas de, il y a pénurie de carburant, il n'y a pas de carburant. Chacun va à l'île. Ne te lève pas pour ton destin. Ce que tu vis là, ton enfant va vivre plus pire que ça. Voilà. Parce que le chien n'accouche pas le chat. Voilà. Si c'est eux-là même qui prennent encore le pouvoir, ce sera encore plus pire. Ils vont dire que quoi? Mais attendez. Notre père, notre grand-père les a traités comme ça, ils ont fait quoi? Chacun va à l'île. Oh! Comme tu veux déstabiliser au Cameroun, oh, oh. Chacun va à l'île. Un pays qui a tout, mais qui manque de tout. On n'a pas de route, on n'a rien. Mais on s'exhibe, on nous montre les anniversaires. Au lieu de nous montrer les bons projets qu'on est en train de faire. Non, non, non. Alors, vivons. On a dit que c'est notre porcherie. Nous sommes dans la porcherie au Cameroun.